Bonjour, un homme a changé ma vie. Aujourd'hui, sur la capsule, je vais parler de quelqu'un qui a changé ma vie. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je suis Dr Zaïd Olatunji, gynécologue obstétricien. En 2005, en cinquième année de médecine, j'ai arrêté mes études de médecine parce que j'avais plus trop envie et j'estimais que ma vie n'avait pas de sens, j'avais plus de place là-bas. Et en partant, je disais que je ferais tout, sauf gynécologie. Après 3 ans d'entrepreneuriat dans différentes activités, la vie m'a forcé, j'ai été forcé de retourner, de renouer avec le monde médical. Et ironie du sort, je me suis retrouvé dans un service de gynécologie obstétrique pour un stage bénévole. Et dans ce service, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un médecin. J'ai rencontré un maître qui m'a tout appris. J'ai rencontré un père. Et cet homme a changé ma vie. Miles Monroe dit que chaque homme a été créé par le Créateur avec une mission de vie et avec son futur déjà emprisonné à l'intérieur de lui. Et quand je reprenais mon stage bénévole, je ne savais toujours pas ce que je devais faire de ma vie. Et je priais, je demandais à Dieu, montre-moi ma route. Et j'ai rencontré cet homme. Il m'a tout appris en gynécologie obstétrique, avec l'aide de beaucoup d'autres médecins. Mais il m'a donné quelque chose que j'estime être l'une des plus importantes, sinon la plus importante pour le moment. Il m'a fait découvrir le trésor que Dieu avait mis en moi. Je ne savais pas. Il m'a fait découvrir mon potentiel, il m'a indiqué la direction et il m'a protégé pour demain en me disant, faut que tu sois toi-même, faut que tu ne laisses personne te brider, faut que tu respectes et que tu sois fidèle à ton intuition. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, sinon la plus importante en fait, que quelqu'un m'ait donnée. Cet homme a fini sa vie terrestre, il s'en est allé hier. Il s'appelle Prosper Bampouki. Il s'appelle parce que lui vivra toujours dans mon cœur et dans le cœur de ceux à qui je transmettrai ce qu'il m'a enseigné. C'était la capsule de la semaine. Je vous aime et particulièrement tous ceux de Dakar, de l'hôpital, à Bassendaou.